Yo les amis, c'est JeuxSupercar, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous reconnaissez un petit peu le parking, c'est le rassemblement GES. On a déjà quelques voitures qui sont arrivées alors que le rassemblement n'est même pas officiellement ouvert. On a de la chance parce que hier, pour tout vous dire, il neigeait. Il neigeait, nous sommes en avril et on a une superbe, hop, je tourne la caméra un petit peu à l'arrache, M3 G-Power qui arrive avec des jantes rouges, pas mal. On devrait avoir de très belles voitures aujourd'hui, donc restez bien connectés sur cette vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez mes rassemblements. Aujourd'hui, c'est la vidéo du rassemblement avec les arrivées plus les line-up qu'on va faire à l'intérieur. Et la suite, la prochaine vidéo, ce sera les fameux départs du rassemblement GES que vous aimez tant. Donc c'est parti pour un nouveau rassemblement GES avec des gants. Ça caille, nous sommes en avril, bordel. Bon les amis, on a une belle line-up qui arrive, ça, regardez. 488. Un beau bruit. Oui, c'est pas d'origine ça. 458, pas d'origine non plus. Pas mal. Magnifique. 20 QH les amis. Le V12. AMV12. Deuxième V12. En roadster en plus. Le rassemblement va à peine d'ouvrir ses portes. On a déjà des belles line-up qui arrivent. Regardez, GTC4, Lusso, encore un V12. Et on termine par une Gran Turismo. Début de rassemblement qui commence bien. Quelques voitures déjà positionnées qui sont arrivées en premier avant même l'ouverture. Très jolie celle-ci. Cette Grand Sport en rouge. On a une Gran Turismo. On a un petit trio de Ferrari là-bas que je vous montrerai par la suite une fois que toute la line-up sera bien remplie. On a déjà deux beaux V12. On a Faust 777. Brûleur de gomme, j'étais pas là frérot. Ça va, il fait bon, il fait froid là. On est bien là, on est bien. Froidement, mais ça va. Ça va, on a le petit soleil qui va bien. On a déjà deux belles anglaises derrière, hein, deux petits V12, c'est bon. V12, MV12, Vanquish V12. Question du vlog. C'est bon. Question du vlog, direct comme ça. Ouais, question du vlog. Allez, vous question. C'est quoi entre la Vanquish et la MV12? Ouais, je fais. Ça y est, le mec, il a fait un vlog AGE. Ça y est, il s'arrête plus maintenant. Il s'arrête plus. Tout à l'heure, je te ferai une dédicace dans le vlog sur une voiture qui vient avec une plaque que tu vas kiffer ta race, monsieur Faou 777. Belle Ferrari là-bas aussi. Belle Ferrari, mais j'irai les voir plus tard quand il y aura une belle line-up. Je compte sur toi pour bien garer les voitures. Toujours. Toujours. Ouais, toujours, toujours bof bof quand même. F430. Joli, tout gris comme ça. J'aime beaucoup. Première japonaise du rassemblement. Une GTR rouge. Voilà, les GTR, c'est à gauche. Et on a encore une Gran Turismo qui arrive, qui va compléter le début de la line-up des Maserati. Alors celle-ci, c'est déjà un peu plus récente. Ouais, Gran Turismo S. Il devrait trouver facilement sa place. Il y a juste à se garer à côté de l'autre Gran Turismo. Oh là là les amis, on a une magnifique pépite qui arrive là, regardez ça. 599. J'ai une petite histoire à vous raconter, je vais pas vous mentir, c'est pas une GTO, mais c'est une HGTE avec un kit complet d'origine GTO. Elle est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Pépite les amis, pépite. On a la Ripple Family qui arrive. Avec des R34. Une première ici, une deuxième là. Salut. La Ripple Family. On a un peu de classique qui arrive, on a un peu de tout là. Hello bro, how are you? How are you? Et là regardez ça, Corvette C1, la voiture de Lucifer Morningstar. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Lucifer, c'est toi? Ça c'est beau. Bon, ça aussi c'est beau. Regardez, Gallardo Superleggera avec Patrick Juvet au volant. Cayman GT4 de Luc. Salut. Joli AMG GT Solar Beam. J'adore cette couleur. Très belle. Magnifique cette nouvelle M3 avec une plaque GE, c'est parfait. Très beau bleu, très belle configuration. Joli, joli.
joli Cayman GT4 avec une déco Martini. Donc là au milieu, pour information, bah là où elle va se garer, on est en train de faire une line-up spéciale Porsche avec des GT3, des turbos, voilà, tout ce qui est Porsche un peu sportif haut de gamme. Joli, très très joli C7. Joli bruit aussi. Ouh, ça c'est beau, Rolls Drophead les amis. Le seigneur du rassemblement avec la plaque Rolls-Royce qui va bien. AMV 8, Ferrari 458, beaucoup d'italiennes qui arrivent, ça fait plaisir. Et on en a encore une autre qui arrive qui est magnifique, regardez-moi ça. Une Testarossa qui arrive doucement mais sûrement, donc qui se pose bien pour les photographes. Du coup, je vais avancer. Magnifique. Salut. Jolie cette Mustang. Le mec, il arrive à fond, il était déter. Ouais, alors lui, il va nous faire un beau départ tout à l'heure. Les amis, ça devient sérieux. Je viens de voir un convoi passer sur l'autoroute. Je sais pas c'était qui, mais il y avait du beau monde, du très très beau monde. D'ailleurs, regardez ça. Aston Martin Vanquish. Et je vais tourner la caméra tout de suite parce que, oh my god. Bon, allez, c'est parti. Lassitude, les amis. Bon, Alpine. Regardez-moi ça. On a le Race Ball Rally qui vient. Magnifique. Ils sont où les fumigènes? Pour la sortie? Tu les mettras à la sortie les fumigènes? Oh là 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 là. Ça marche. Mini GP, salut. Et regardez encore une voiture là. Corvette C7. Là il y a le convoi les amis, Autolux Concept les amis. Ça, ça envoie du lourd. Hello l'amigo. Ha, regardez, le bébé, la T-Carte. La T-Carte. Ah, quel beau gosse ce conducteur en plus, incroyable, incroyable. Urus, Novitec les amis. Ça c'est beau le convoi. Oh là 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 là. Autolux quand ils arrivent, ils font pas les choses à moitié et c'est pas fini hein. Salut, ça va? RS3, RS6, salut. On a quoi d'autre? Oh la vache, ça n'en termine plus, regardez-moi ça. On a Guigui et Santo Caspoter. Ferrari Roma. Une des premières qui vient au rassemblement, voire la première qui vient au rassemblement. Le crew Autolux Concept est franchement incroyable. Corvette C8. 458. Salut. On a de l'américaine, regardez, ça arrive encore. On a GT3. Ça n'en finit plus, ça n'en finit plus. Je vais pas remonter. Je vais me mettre plutôt à l'entrée du rassemblement parce que regardez, ils sont en train de faire un bouchon quand ils arrivent. Ça, c'est la team Autolux Concept, c'est vraiment la famille, les amis. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Comment on va? Ça va? La Ferrari Roma. La 812 Autolux avec Valentin. 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 Valentin, tu as la pression parce que je te filme. Je te filme, ne te loupe pas. Là t'es pas bien, là t'es pas bien là. Là ça panique, ça panique. Regardez comment il se gare bien ce mec, c'est incroyable. Braque, braque dans l'autre sens frérot, braque dans l'autre sens un peu. Voilà, c'est bien. Vas-y. C'est bon. Putain, il fait trop ça bien le Valentin. Ting ting ting. Ah, regardez-moi cette M4 magnifique avec la plaque 777. À côté de la M4 CS bleue. PJ777, c'est pas FAU 777, c'est Pajou 777, hein. Magnifique. Encore des américaines et de la belle Corvette aujourd'hui. Hein. Z06 en plus. Superbe, j'ai hâte de voir les départs de ces voitures-là parce que ah, ça sent les bonnes traces de pneus pour la prochaine vidéo. Le convoi est pas fini, hein, regardez. On va de la Porsche, c'est par là-bas. Je suis en train de faire le panneau avec mes gants miteux, comme dirait l'autre. On a une magnifique Aston Martin DBS. Qui arrive, enfin, qui arrivera un jour. Là voilà la DBS. Salut, ça va? Incroyable, j'adore ce véhicule.
sympa la couleur de cette GTR qui arrive. Et on a une super line-up qui arrive. On a de la Gran Turismo S gris satin qui est magnifique, de la 488, de la Porsche, de la M2, de la M3. Et tout au fond, les gars, on a une grosse exclusivité qui arrive. C'est la première qui vient au rassemblement, une Ferrari. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous allez voir, c'est très beau. Et boum, les amis, regardez-moi ça, SF 90, la première qui vient au rassemblement. Elle est incroyable. Alors vous allez tout de suite sur la gauche. À côté de la 812. Beau gosse. Ça, ça fait plaisir. Et une 488 qui suit. Et une 458 qui suit. Alors celle-ci, pour information, les amis, c'est l'ancienne de Monsieur GMK. Elle est aberrante, ta voiture, frérot. C'est aberrant, vas-y. Quelle imitation incroyable de GMK. J'adore. RS6, belle couleur, belle config. Bon allez les amis, c'est parti, je vais vous faire rapidement les line-up qui sont présentes au rassemblement. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos car là l'organisation est assez complexe. Allez, on commence avec les Allemandes. Choc des générations, une M4. Celle-ci, elle est incroyable. La configuration, elle est folle. Petite lame en carbone customisée, intérieur bleu. Je vous mets sur l'Instagram si ça vous intéresse. Voilà, c'est gratuit. Petit aileron en carbone, elle est incroyable. Les échappements aussi modifiés. J'arrive pas à lire c'est marqué quoi sur les échappements, mais j'ai hâte. C'est peut-être marqué ça en fait. Arma Speed. J'ai hâte de voir ce que ça donne cette M4. Juste à côté, encore une M4, mais une M4 CS. Toujours aussi belle dans ce bleu. Avec la plaque bien entendu qui va avec, un CS. AMG GT, très discrète. Vous préférez le côté noir ou le côté rose, les amis? Dites-moi en commentaire ça. Beau petit combo, hein. Une GTS à côté, en jaune Solar Beam. Une de mes couleurs favorites chez Mercedes. Jolie aussi cette M4, la compétition, avec les jantes un peu bronze là. J'aime beaucoup. M2. Celle-là, elle est très énervée. M3, les amis, G-Power. Biturbo, celle-là j'ai hâte de la voir partir aussi, je pense qu'il va nous faire un beau départ. M2, donc je passe rapidement, M2 qui se déclenche d'ailleurs. M3, très belle cette nouvelle M3 dans ce bleu satin, j'aime beaucoup. Alors lui aussi vous le connaissez, le Philippe Candelro de l'automobile. Ah, Tarzan. Lui il va nous faire un beau départ, j'en suis sûr et certain. La M5 de Mehmet, M3. RS3, SL63 AMG, magnifique en blanc mat, Audi TT RS, Green Nardo, j'aime beaucoup, RS3 Nardo, RS4, et les Allemandes ça n'en finit plus, X6M, on en voit de moins en moins, RS3, beaucoup d'RS3 aujourd'hui, et même une deuxième TT RS Nardo, donc il y en a deux au rassemblement aujourd'hui, c'est top. Donc là on fait vraiment le coin des Allemandes hein, pour commencer, hein. RS6, RS3 très énervé. Là, on a un panel de golf. On a de la Golf R. Même la nouvelle Golf R qui est juste ici. Et je vais vous montrer à quel point on galère aujourd'hui pour le placement. Bah, beaucoup de golf hein, aujourd'hui quand même. Hein. Bon, je pense qu'on est au maximum des golfs qu'on peut accepter. RS6 Grinardo, RS4. Regardez, tellement on galère aujourd'hui. On est obligé de garer cette RS6 entre deux camionnettes qui étaient déjà sur le parking. En mode utilitaire. Ouais, c'est vraiment full en fait jusqu'au bout. J'avais même pas été voir. Vraiment beaucoup d'Allemandes. On a encore un petit groupe de BM ici avec une M2, nouvelle M3, magnifique. M4 bleu, magnifique. Et encore une M3 juste ici. Et on enchaîne de l'autre côté avec les Porsche. Donc là, comme d'habitude, hein, toujours autant de Porsche. Je passe rapidement hein, parce qu'il y en a beaucoup. Le vlog durerait 15 ans si je filme toutes les Porsche une par une. Je vais juste dire celle qui m'attire l'œil, celle-ci, 718 GTS, elle est magnifique dans cette couleur. GTS rouge, GTS orange, petite couleur comme ça, sympathique. J'aime beaucoup, petite Boxster. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre GTS ici. On a du vent aussi ici, donc je vais vite retourner au soleil, les amis. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous kiffez les rassemblements GES. C'est vraiment un gros gros kiff. Qu'est-ce qui arrive encore? Une Boxster. Une Boxster. Attendez, je vais vous le placer en direct. Il y a une place entre les deux là. Hop là, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
encore de la Porsche. Et là, on a voulu faire une line-up, mais en fait, ça partit un peu en couille. On voulait mettre que des turbos et des GT3. Bon, il y a un peu de tout au final. Donc, je vais vous les filmer aussi une par une. Je vais me mettre au soleil, par contre, c'est mieux. Bon, je vais passer même entre. Allez, soyons fous. 997 turbo, 997 turbo, 992, 996 T-Kart, les amis. Elle a une belle histoire aussi, cette voiture. À la base, c'était une 996 normale qui a été remodifiée en turbo par T-Kart à la demande du premier propriétaire. Donc, c'est une belle exclusivité qu'on a là. 991, 991. On continue la line-up. Cayman GT4. Magnifique Targa de chez Autolux Concept avec ses jantes sublimes, l'intérieur magnifique également. Turbo S 991 VS GT3, c'est pas mal de passer comme ça entre les Porsche. Et regardez encore une autre Turbo S en blanche en 991. GT3 RS sublime en 997, j'adore. 996 GT3, ça aussi c'est une belle pépite. Et MR, donc préparé par Monte Racing. Donc là sur piste, c'est incroyable. GT4 de notre ami Luc. Vous retrouvez son Instagram juste ici. Et on termine par cette sublime 992 GT3 dans un noir satin sublime. En fait, c'est une protection. C'est Autolux Concept hein, qui s'est occupé de mettre un covering de protection en noir satin. Le véhicule est noir de base. Vraiment magnifique. C'est une des premières, voire la première, je crois, qui vient au rassemblement. Et je vous ai oublié. Oh, casquette Monarch, ce dédicace à Fipeux. J'ai oublié, on a été obligé de mettre des Porsche aussi ici. On a fait un petit coin classique, plutôt sympa, avec cette belle 911, dans cette belle livrée Golf. La Corvette de Lucifer Morningstar, la Corvette C1, j'adore ce véhicule. J'espère pouvoir vous la présenter un jour sur ma chaîne. Je présente pas beaucoup de classiques, mais celle-là, franchement, elle est incroyable. Une petite Austin, elle est à côté, et une Alpine. Donc, on va continuer la line-up, on va se faire les italiennes et les anglaises. Moi, ça, le fan de Fipeu par excellence. La casquette, le pull, il est là. Et encore une fois, Fipeu n'est pas au rassemblement aujourd'hui. Ah, dis-lui qu'il faut qu'il revienne un jour. Faut que tu reviennes. Hein. Voilà, écoute tes fans, Fipeu. Et la line-up des anglaises, on a cette magnifique drophead, le seigneur. AMV 12 Roadster, ça j'adore ce véhicule et surtout la sonorité de ce véhicule, c'est incroyable. Celle-ci aussi Vanquish avec le V12, magnifique. F-Type avec des étriers orange, c'est bien, ça claque bien les étriers, là j'aime beaucoup. En fait les Anglais aujourd'hui on les a mis à l'ombre, c'est un très anglais tu vois. AMV 8, une autre F-Type ici, belle couleur, j'adore cette AMV 8 là, la couleur est sublime orange. AMV 8 encore, Vanquish. Là, c'est le coin un peu puriste Aston Martin. Vous avez la Vanquish première génération juste à côté de la DBS qui est toujours aussi belle. Intemporelle, vraiment, cette DBS. Je suis fan. Donc là, regardez, ça fait une belle line-up d'anglaises. Pas beaucoup de Lotus aujourd'hui, c'est bizarre. D'habitude, on en a beaucoup plus. Mais on a voilà un petit panel de Lotus avec une Evero 400, une Exige et une Elise. Ici même, on a parqué quelques petites sportives. On a la Mini GP avec l'autocollant. Brûleur de gomme, ça fait plaisir, lui c'est un vrai Alpine, double Mégane RS à injection. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les italiennes tout de suite? Non, allez, on va faire les américaines. Parce qu'à chaque fois dans les rassemblements, ils disent que je les oublie, donc aujourd'hui je vais pas les oublier. Bon, ça c'est pas une américaine, bien sûr. Corvette C8, la nouvelle de chez Autolux Concept. En full black. C'est une autre philosophie, hein. C'est vraiment une autre philosophie. Habituellement ici on met des Porsche, mais là aujourd'hui on s'est dit on va mettre des américaines pour les mettre un peu au soleil, parce que d'habitude elles sont toujours à l'ombre. Donc on s'est dit aujourd'hui on va foutre les américaines ici. Donc allez, on va commencer à line-up. On a du classique, on a de la... il fait chaud en plus du côté là, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. C7, celle-là elle est incroyable, cette Z06, la couleur j'adore. Dodge, ça c'est beau, bien énervé en rouge. On a de la Camaro. Salut, ça va? On a de la Dodge, de la Corvette, du Razzball, de la Mustang, un peu moins d'américaine que d'habitude. Waouh, il y a une GT3 RS qui est passée à fond sur l'autoroute. Je ne sais pas s'il va venir. Il a peut-être loupé la sortie, on verra juste après. Cette Mustang, elle est incroyable. Mach 1,
Je m'y connais pas trop en américaine. Dites-moi en commentaire c'est quoi cette édition, mais elle est oufissime. En plus, il est arrivé, il était bien chaud. Une grand sport à côté en C7, c'est toujours aussi beau ça aussi. J'adore. Franchement, entre nous les amis, je préfère quand même les C7 au C8. Dites-moi en commentaire lesquels vous préférez. Mais voilà, pour moi la C7, elle a vraiment l'âme des Corvettes, le look des Corvettes. La C8 fait déjà plus italienne. Hein. Allez, on continue. Encore une Alpine. Focus. Auto-école. C'est une vraie auto-école, les amis. Il y a double pédalier. Un jour, il faut que je vous fasse une vidéo avec ça. J'ai repassé mon permis avec cette Mustang. Camaro. Et là, ça y est. On va passer l'italienne. Alors, lui, c'est sa place. À chaque rassemblement, on le met entre les bennes. Je sais pas pourquoi, mais au moins, il est bien posé. On va commencer par les italiennes. Alors, quelle line-up on va faire? Allez, on va commencer par celle-là. Encore lui, Tarzan, le fameux, incroyable. Allez, on va commencer par cette line-up-là. Du côté là, avec la Gran Turismo S, F430, double 458. Seule différence entre les deux, les jantes, une jante grise, une jante noire. Celle-ci, c'est l'ex-AGMK. 488, California, 488. Beaucoup d'italiennes. Et franchement, je suis content qu'il y ait quand même du monde au rassemblement aujourd'hui. Parce que hier, je vous dis, il neigeait, donc il y en a pas mal qui ont été découragés par la météo. Mais il y a quand même du beau monde, ça fait plaisir. Et là, on a un rasso de Gran Turismo. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les deux là-bas, je vous ai déjà filmé. Bon, allez, on va commencer aussi par les autres italiennes. Mais là, on va terminer par là-bas. Je vais commencer doucement. Il y a tellement de choses à vous dire sur cette line-up, elle est magnifique. Allez, bon, je vais boire un café, je reviens. Allez, c'est parti, line-up de Ferrari. 488, celle-ci, elle a des échappements modifiés. Et même un peu, regardez les phares à l'avant qui sont teintés sur cette 488. Pas mal, comme ça, assez énervé en full black, j'aime bien. Même les liserés, regardez, sur le diffuseur. C'est pas commun, c'est pas commun. À côté aussi, c'est pas commun, cette 458, elle est vraiment modifiée. Regardez, elle a du carbone autour des feux, un petit aileron, peut-être des échappements modifiés, à voir. GTC4 Lusso. Pas mal aussi, en gris comme ça, j'aime beaucoup. Combo de Ferrari grise là. 430, GTC4 Lusso, c'est pas mal côté puriste. Et là on a une pépite, on a vraiment une pépite, cette 599. Alors pour information, c'est une HGTE, ce n'est pas une GTO. Elle a été quittée d'origine à la demande du premier propriétaire qui n'a pas eu le droit de s'acheter une GTO. Du coup, il était énervé, il l'a envoyé à l'usine qui fabrique, donc officiellement, les kits de GTO. Donc elle est incroyable, elle est vraiment full option avec un intérieur carbone de folie. Elle a été achetée chez Moteur Essence il n'y a pas longtemps. Et franchement, la config est ouf. Alors le propriétaire a choisi de remettre ça en noir. À la base, c'était blanc. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il garde ça blanc. Mais lui, il aime bien le look énervé avec les logos noirs et tout. Mais franchement, ça lui va à ravir. Ça aussi, c'est très beau. Gallardo, super Leggera, on en voit de moins en moins, j'adore. F12, toujours aussi belle, celle-ci elle vient à chaque rassemblement, la couleur est vraiment incroyable. Modena bleu, configuration plutôt rare, encore une 458, un peu de purisme. Testarossa featuring 348, et là on passe sur le convoi Autolux Concept. Alors celle-ci, regardez-la bien, cette Porsche Descartes. Vous avez l'habitude de la voir sur ma chaîne, mais c'est la dernière fois que vous allez la voir comme ça. On va l'envoyer chez Descartes. On va lui mettre un kit GT Street R. Les amis, ça va être de la folie. Carbone forgé, petite prépa 800 chevaux, le turbo à 25 000 €. Vous allez voir, restez bien connectés sur les réseaux sociaux d'Autolux Concept parce qu'il y a du très très lourd qui arrive avec ce beau bébé. Un autre beau bébé impressionnant, Urus Novitec. Le monstre. Juste à côté, Ferrari Roma 812, vous la connaissez, je vais bientôt la réessayer dès qu'il fait vraiment beau. Et la première fois au rassemblement, une SF90, incroyable de voir ça au rassemblement, vraiment une belle pépite qu'on a là, ça fait plaisir. Je vais vous montrer quand même la face avant, elle attire le monde, parce que c'est la première qui vient au rassemblement en fait, hein. Beau combo là avec la 812 et la Roma juste à côté. 458 spécial, et ça c'est mythique, c'est incroyable, j'adore. Et on termine la line-up par cette 355 en Spider que j'ai eu l'occasion d'essayer une fois il y a quelques années. Franchement, c'était un très beau souvenir avec cette boîte manuelle très rude. C'est un rite bonhomme quoi.
Les amis, ici s'achève la première vidéo du rassemblement Grand Est Supercar. Je triche un peu, je fais déjà la fin après avoir fait la prochaine vidéo, les départs du rassemblement. Il y a eu de très beaux burns, donc rendez-vous à la prochaine édition, prochaine vidéo et au prochain rassemblement GES. Je vous attends, vous propriétaires, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez exposer vos véhicules sur notre rassemblement. Allez les amis, pouce bleu, à bientôt, ciao.